chers compatriotes. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui sur l'invitation de promoteurs sénégalais qui organisent ce salon depuis voilà maintenant 8 ans. Et ma présence justifie par le simple fait qu'à chaque fois que les Sénégalais sont en train de faire quelque chose qui peut impacter le développement de ces pays, nous devons être présents et nous devons aussi venir apporter notre vision et surtout la manière dont on peut faire avancer les choses. Voilà l'objectif de notre présence aujourd'hui. Après l'élection du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhate Faye, et la nomination de M. le Président Ousmane Sonko comme Premier ministre, nous avons pris le temps d'analyser le secteur de l'habitat, de l'urbanisme et de l'hygiène publique et de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, nous savons que l'un des défis majeurs pour les Sénégalais, particulièrement les Sénégalais de la diaspora, est l'accès à la propriété, un accès abordable à la propriété, mais surtout un accès qui est sécurisé. C'est dans ce cadre-là que nous avons pris l'initiative de répondre positivement à l'invitation de venir parler de deux grands programmes importants. Un premier programme dont l'objectif est de faciliter l'accès à la propriété, où notre mission, c'est de travailler à ce qu'il y ait une jonction entre la demande et l'ensemble des acteurs qui sont autour de cette demande de biens immobiliers, donc de propriété, à savoir ceux qui détiennent du foncier, les systèmes bancaires et les municipalités, et surtout la pertinence de la présence de M. le maire ici, maire de Yenne, pour montrer qu'il peut y avoir des synergies entre différents acteurs pour justement faciliter l'accès à la propriété. Nous avons été satisfaits des différents acteurs qu'on a trouvés ici. Nous avons trouvé des produits de qualité, des entreprises performantes, mais surtout de l'innovation et surtout une envie de vouloir faire mieux et plus. Donc aujourd'hui, notre présence, c'est vraiment un engagement d'accompagner les acteurs du secteur privé sénégalais qui aujourd'hui sont en train de performer dans la diaspora. Maintenant, il est temps qu'ils viennent accompagner cette nouvelle dynamique qu'a insufflé le peuple sénégalais par l'élection de ce nouveau régime. Et ce que nous voulons, c'est qu'ensemble, nous puissions travailler à mettre en place les synergies qui permettraient aux Sénégalais non seulement d'avoir accès à un logement à un bon prix, mais surtout de pouvoir être propriétaire. Et cela, nous pouvons le réussir par de l'organisation, de la réglementation, de la transparence, de la synergie et de réunir l'offre et la demande sur des espaces, des plateformes qu'on aura travaillées, sécurisées. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter les organisateurs, de féliciter véritablement tous les participants et d'exprimer vraiment la satisfaction que nous avons aujourd'hui de voir des Sénégalais qui vivent en France ou ailleurs et qui sont en train de représenter dignement le Sénégal à travers leur profession. Merci beaucoup.